Bonjour à toutes les gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On se retrouve sur la version globale de Dogan Battle pour faire l'histoire sans fin consacrée à Dragon Ball Super Broly. On va jouer cette composition, on va débloquer la mission Héros de Film. Il faut au moins 3 unités qui entrent dans Héros de Film. Je voulais faire un team 100% LR, malheureusement... Malheureusement, le truc c'est que ce qui me reste en Super Saiyan, c'est pas ouf en fait. Il me reste les 3 là, enfin les 4. Donc c'était un petit peu dangereux. Alors à la limite, le jour où il passera ZTUR, on verra. Ah non, quoique, non, il porte le même nom que lui, donc c'est mort. Donc bah, en fait, il me restait eux là. Donc j'étais pas hyper fan de ramener un boulet quoi, parce que l'histoire sans fin d'Dragon Ball Super Broly, il est pas facile les amis, il est pas facile, c'est un challenge. Bon, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour le soutien, pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube, oui. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis, le lien se trouve dans la description, venez et participez. C'est tout, c'est simple, c'est efficace. Bon, niveau rotation, comment je fais? J'étais parti sur l'idée de garder un Genki Genshin par rotation. Ou sinon, en fait, ce qui est bien avec cette composition, je peux la moduler en fonction des situations. Donc Broly, le premier combat contre Broly, rien de particulier. Rien de particulier. Il a rien. Je sais pas s'il tape fort. Ensuite, on affrontera VGGod qui est musé contre le stun. Et le blocage de spé, donc ça c'est un petit peu aux F. J'ai pas de bloqueur de... Ah si, j'ai un bloqueur de spé, si. J'ai le Goku qui j'en suis. Donc je pense que rotation 1, je vais garder Gohan LR agilité pour la tankiness. Et dans la deuxième rotation, ça dépendra de ce qu'il y a en face en fait, ça dépendra. Oh, il va prendre cher. Bim. Et... Une petite arc-en-ciel, c'est cool. Non, en fait, la partie super, la partie héros de film, enfin la mission héros de film me paraît plus accessible que boss de film. Enfin, de mémoire et d'après ce que disent les frérots et les frérettes en live, on dit ouais, il est pas facile. Non, il le tue. J'ai pas le temps de stacker avec Gohan. Oh l'enfoiré. Je crois que c'est un des meilleurs moments. Que j'ai eu cette année, c'est quand j'ai invoqué sur le portail LR de Goku Kenshin. J'ai droppé 3 LR en 4 multi, les amis. C'est. Du coup, depuis ça, j'arrête pas de payer. Du coup, à chaque fois que j'invoque sur le compte global, il se passe rien. C'est que de la merde. Je me suis fait arnaquer, les amis. Le principe même de la roue tourne, hein. Voilà, je l'ai subi la roue tourne, hein. Migaté, il m'a bien migaté. Beerus, il m'a bien. Il m'a bien cacaroté également. Donc voilà, je me suis fait un peu souiller par pas mal de portails. Voilà. Bon, Gogeta, le Gogeta bleu. Critique garantie. Je vais peut-être le garder. Je vais séparer les Senzu. Végéto, LR, Gogeta, LR. Comme ça, si ça proc, voilà. Comme ça, j'aurai 2 Senzu en plus. Mais vaut mieux les séparer pour éviter que ça proc en même temps, tu vois. Attention. Non, cette team elle est versatile. Très versatile. C'est pour ça que je l'aime bien. Donc là, vu que c'est de la puissance, on va garder de l'agilité. Hein. Au tour prochain, on va affronter un Broly Ikari qui aura la particularité de bloquer les rotations. Quel enfoiré. J'aime pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, cette rotation, enfin cette team, elle fonctionne bien ensemble. J'ai 2 changeurs de ki. J'ai beaucoup de LR, enfin j'ai quasiment que de LR, mais comme j'ai 2 changeurs de ki, ça devrait bien se passer. Voilà, ça devrait bien se passer.
Ah non, mais mes DS, mes pauvres petites DS ont souffert à cause de certaines unités. Ah, ils sont forts, hein. Ah, ils ont tout calculé, hein. Voilà, faut que je fasse attention, là. Hein. Il commence à me faire mal, hein. Je crois que un Senzu va devoir être claqué, là. Et voilà. Ah non, c'est pas le Senzu. C'est Gogeta qui va devoir fusionner. Oui. Ah oui, non, on n'a pas encore fait le nombre de tours nécessaires. Ah oui, effectivement. Effectivement. Est-ce que je garderai pas le Senzu dans la rotation? Oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, je transforme au tour prochain. Ouais. Ouais. Bon, là, c'est bon, là. J'ai pris extrêmement cher. On le termine par une belle patate. Ah, il fait mal. Hein. J'ai que 130% x2 en termes de stats. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça met des bonnes droites. Ah là là. Bejito. Par contre, Gogeta. Donc là, c'est agilité. Non, j'avoue que Vegito. Ouais, avec les comptes, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire extrêmement mal. Du coup, je vais peut-être garder Gohan. Parce que lui, il stack. Du coup, il est solide. Mieux vaut laisser Gohan dans la rotation. Je perds quand même pas mal de PV. Hein. Mais bon, on peut peut-être dropper un doublon lors des 5 ans, les amis. Lorsque les portails sortiront le 9. Un petit doublon sur Vegito, ça serait très sympa. Donc il est immunisé contre le debuff, le blocage de spé, le stun. Et verrouille les rotations. Pour l'instant, il a pas fait. Salut Aiden. Je vais devoir faire deux fois cette histoire sans fin. Ah mince, il manquait un petit qui. Non, ça va, il reste très très solide. Extrêmement solide. Bah tu sais quoi, on va garder le Gobro. Oh, le Gobro là, il va se mettre bien. Là. Oh là 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 là. Là, tu vois, arrête, j'adore cette team. Je me répète, mais... Elle est versatile. On casse la rotation comme on le souhaite. Attends, mais il bloque vraiment les rotations. C'est pas une erreur là. Parce que j'ai pas l'impression qu'il va bloquer les rotations là. Les emotes sont vachement bien. Bah oui, on les a créés avec la communauté. D'ailleurs, il faut que je fasse des nouvelles emotes prochainement. Je vais réfléchir à. Bah pour. Lorsque j'aurai changé de bureau, je pense que je ferai une nouvelle salve d'emotes. Ah, le Goku Genki Gensiv, il est exceptionnel. Là, par contre, l'agilité face à du tech, c'est vrai que ça va pas être ouf. Donc là, il peut bloquer l'aspect de manière aléatoire. C'est sympa, ça. Je vais peut-être garder Gohan. Ah, il a combien de défense, lui? 83 000. Après, il peut esquiver. Il a intérêt, d'ailleurs, à esquiver. Fais pas le con, Gogeta, fais pas le con. En fait, il faudrait le contre critique, sinon Vegito est moins impressionnant. Avec un contre critique, là, il devient beaucoup plus intéressant en termes de DPS. Ah, c'est vrai que même quand il esquive, il fait un contre. C'est bien ça, c'est bien Vegito. Très, très, très bien. Que des numéros 10 dans cette team, j'aime beaucoup. En vrai, ce qui manque, c'est Gogeta bleu, Vegito bleu. Mais bon, il rentre pas dans Super Saiyan, c'est dommage. Oh, faut que tu esquives. Oh là 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 là. Oh, faut que tu esquives. Oh, mais qu'est-ce que... Putain. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bon, malheureusement. C'est qui a un doublon? En tout cas, c'est pas le mien. Ouais, et lui, est-ce que j'ai pris? Ouais, je crois que l'autre il a un doublon. Je vais faire ça.
Ah, j'ai pas le Dokkan Mode. Merde. Merde alors. Oh, j'ai un peu peur là. Si je mange l'aspect sur l'agilité, je vais peut-être mourir là. Là, il faut que Gobro le pulvérise. S'il te plaît. Ah, il faut qu'il le pulvérise là. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ah, si je mange l'aspect, je vais peut-être mourir là. Ah ouais, non. Et en plus, je peux partir en spé ultime. Aïe, 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 aïe. Attention, attention. Pff, non, ça va. Phew. Voilà, Dokkan Mode. Le Dokkan Mode qui arrive ici. Ah, moi, je peux pas en spé ultime. Ah, là, il m'a bien bloqué l'aspé. D'accord. Bon, tant pis. C'est dommage. Bon, avec deux contre. Ouais, là, il meurt là. C'est juste que je vais pas faire masse dégâts. Ah, oh, putain, ça allait trop vite. Pour l'instant, ça va. Prochain combat, c'est Broly. Broly, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il t'empêche de bouger les rotations, d'accord. Il sera de type endurance. J'ai pas de LR puissance, c'est dommage. Je suis grave remonté en termes de DS, oui. Oh, la musique fait peur, les gars. Tu sens qu'il est pas là pour rigoler, hein. Oh là 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 là. Je garde Gogeta. Je crois qu'il est quand même plus solide Genki Jaune Sieve. 100 000. Gogeta, il a combien? 83 000, ouais, il en a moins. Ouh, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Oh là là. Oh oui, d'accord. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Attention, attention. Donc là, j'ai gagné de la défense normalement. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Ça sent pas bon. Oh, merci beaucoup, Zekrox. Ça sent pas bon. Surtout pas qu'on se mange une spé. Ah, il fait mal ce Broly, hein. Oh, Gogeta, si c'est moi, j'ai... Oh, fou, Gogeta, faut que tu esquives. Eh, hey, t'as 50%, frère. 50%. 50%, frère. Ah, c'est ça qu'on veut voir, oui. Putain, il m'a mis au fond, là. Oh là là, il m'a mis au fond, là. J'ai un peu peur, là. J'ai un peu très peur. J'ai très très peur, les amis. Ce qu'on va faire. Je crois que j'ai Gogeta qui fusionne derrière. Ouais. Donc je vais faire ça. Putain, j'espère que ce sera pas Végito qui va se manger l'aspect. Hein. S'il te plaît. Ah, oh, punaise, j'ai peur. J'ai peur, c'est Gohan qui se mange l'aspect. Il est pas parti en speed depuis tout à l'heure, on est d'accord. Hein. Oh, pas sur Végéto, putain. Oh là là là, s'il part sur Végéto, il va nous exploser.
Oh, s'il te plaît. Pas sur Végétaux. Oh punaise, ah, j'en étais sûr. Ouf, oh, y a... oh, il me restait 50 000 PV, je crois, même pas. Non, il est là, les amis. Il est là, il va me venger. Il va dire, t'as fait quoi là? T'as fait quoi, Broly? Je vais devoir te corriger, Broly. Qu'est-ce que t'as fait, Broly? Il y a quoi une défense de... Bon, j'ai l'item. Qu'est-ce que je raconte? J'ai l'item. Il est mort là, Broly. Eh, hey, Broly fait mal, hein. Il fait très très mal. Mais moi, je fais plus mal. Bon, après Broly, il y a quoi? Il y a Freezer. Freezer, immédiat contre le debuff, blocage de spell, le stun, classique ou classique. Allez, Gobro. Gobro, on va compter sur lui pour la dernière phase. Face à Gogeta J. Je crois que le danger, c'est Gogeta J. Hein. Après, c'est Broly. Là, on va utiliser Gohan pour tanker. Hein. Hop là. 200 000, ouais, on est solide. Après, Gencive, il est pas hyper tanky non plus. Hein. Il est sympa, mais il est pas invincible non plus. Hein. Il gagne très peu de def avec les ki obtenus, je crois. Alors. Ah, c'est 7% par qui obtenu. Après, si tu... en fait, il tape fort quand il y a des Super Saiyan dans la même rotation. T'as quoi comme item? J'ai Franky et j'ai Whis. Oh là là, Gogeta! Qu'est-ce que tu régalades? Voilà, on va essayer Gogeta avec moi. Puis ensuite, on va laisser lui faire ça. Et voilà. Là, la spell ultime. Franchement, tu vois, full LR, mais tout le monde part en spell ultime. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette team. Après, bon, il faut l'avoir, le Goku qui j'en chie. Si vous avez 500 pièces jaunes, j'avoue que c'est un investissement qui sera largement rentabilisé. Hein. C'est un perso qui rentre dans pas mal de teams. Après, c'est un Goku. Donc, un Goku, c'est Saiyan pur. C'est Super Saiyan. Enfin, bref. Il rentre dans pas mal de teams également. C'est un très très bon support. Qui debuff, qui bloque la spéciale aussi. Et qui change des keys. Mais vraiment. Je crois que c'est le meilleur support LR que nous avons. Hein. Et l'aspect est magnifique. Ouais. En plus, il a un finish. Contrairement à Migaté qui n'a pas de finish, les amis. C'est un scandale. Ah. Là on va être bien. Là, on va se mettre bien. On a l'avantage du type de Gogeta. Qu'est-ce qu'il a de particulier, les amis? Gogeta. Peut esquiver les attaques. Ah ouais, fourbe. Et elle est misée contre le blocage de SP, le stun, le debuff attaque, le debuff défense. En fait, ils ont trouvé, on en parlait en live, en fait, ils ont trouvé une manière de nerfer les cartes, en fait.
Parce qu'en fait, le debuff et tout, ça fait partie des cartes. Le debuff, le stun, etc. Et en fait, c'est trop fort comme compétence. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont, on va dire, bloqué ces compétences sur certains modes de jeu. Donc, quelque part, c'est un nerf indirect, tu vois. Et quelque part, c'est pas cool, tu vois. En gros, en fait, les cartes que nous avons, on peut pas les utiliser à pleine puissance parce que y a des restrictions par rapport à certains combats. Et ça, c'est fourbe. Oui. Voilà, Gogeta, LR, je crois qu'on va pas faire appel à toi. On va faire ça. On va faire... Faut que je prenne des kin arc-en-ciel. Je n'ai pas beaucoup, là. Qu'est-ce qu'il régale quand il fait ça? Non, il reste bien ce petit Gogeta bleu. Hein. Critique garantie. 50% de chance d'esquive. C'est pas mal du tout, les amis. En boss de film, ça va être chaud. Je, de mémoire, ouais, c'est beaucoup, c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais là, en fait, mine de rien, j'ai deux Senzu en plus. Avec moi, hein, j'ai quand même Gogeta bleu, et, enfin Gogeta et Vegito LR. Donc j'ai la possibilité de me soigner deux fois à 100%. Donc c'est pour ça que en héros de film, ça sera un chouïa plus facile, enfin un chouïa, ça sera beaucoup plus facile. Hein. Après en boss de film, il y a pas mal d'unités qui sont assez tanky, qui peuvent aussi soigner. Alors, bon, pendant ce temps, Gohan il déroule. Hein. Le petit Gohan LR, paf. Et paf. Bon là il meurt. Prochain combat, on va affronter Broly DBS à nouveau. De type endurance à nouveau. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Ah oui, il peut faire des attaques de zone. Ah oui, effectivement, ça peut être chiant ça. Salut Végéto. Bon là, Végéto va finir avec les contres, je pense. Le frérot Végéto. Il manque un petit Végéto Super Saiyan avec l'active skill. Hein. Juste quand juste après la fusion. Un petit active skill où il passe SSJ1. Il commencerait forme de base. Non, pas forme de base, parce que du coup... Il... Non, pas forme de base, non, pas forme de base, parce que du coup on pourra pas l'utiliser avec Végéto bleu. Mais du coup, un Végéto Super Saiyan. Super Saiyan. Alors lui, il va me faire chier là. Ouais, il va me faire chier, les amis. Là, je pense qu'il faudra faire très attention. Faut le tuer vite en fait. C'est ça la strat. Le tuer vite. Je vais garder le Dokkan Mode pour la dernière phase. Comme ça, sur un Gobro. Gobro va l'exploser. Putain, il a masse PV. Hein. Il y a assez de Gogeta et de Végéto, ouais, j'avoue. Mais on dit jamais non sur pour un nouveau Gogeta, nouveau Végéto. Il manque Végéto et SSJ4. Il manque Gogeta et SSJ4 Active Skill. Il manque Végéto Kaioken. Il manque... il manque plein de trucs. Punaise, j'ai pris cher, là. Bon, là je vais mettre un critique, donc je vais lui retirer 3 barres de vie en une rotation. Ah ouais, d'accord, il met midlife là quand même. Ah ouais, d'accord.
Ah, il faut le tuer vite, vite, vite là. C'est dommage que j'ai pas de quoi me. Enfin, j'ai pas les conditions pour me transformer là. Parce que là, avec le changeur de ki. Gohan et l'agilité SJ2. Je l'aurais écrabouillé quoi. Ouf, la double attaque SP, magnifique. Ok, là, les midlife. Midlife en deux tours. Il me faut encore deux tours et c'est fini. Sophie Gogeta sur un miracle improbable. Double SP. Non. Ah, faut que je fasse attention là. Ah, je crois que je le claque maintenant, l'active skill. Hein. Oui! Tiens, mange! Ha! Merde, c'est tout. Non. Ah, je suis choqué, déçu là. Là j'hésite là j'hésite, il me reste deux items. Si je paye ici sur Végéto, je suis mort. Putain, ça me fait chier là. Après j'ai encore le Dokkan mode. Allez putain, allez prenons un risque. Ne prenons pas de risque, pardon. T'as SP sur Végéto, c'est fini quoi. Sans item, j'aurais perdu quasiment plus de 200 000. Hein. Ouais, j'aurais peut-être pu mourir ici. Hein. T'as même en héros de film, c'est un peu chaud en vrai. Ah ouais, moi j'avais fait, en fait j'avais vu que mes Gogeta et Végéto étaient à 100%, évidemment les dégâts n'étaient pas les mêmes. Donc forcément ça joue hein, les doublons. Oh, il lui reste un trait, une barre. Voilà Végéto, je compte sur toi, tu le finis. Comme ça derrière on prépare le Dokkan mode pour le tech. Pour Gobro. Ah oh, putain, ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord, la tristesse quoi. 24 000. Mais what? Nani. Je vais peut-être garder lui pour le crit au cas où. Allez, un dernier stack. Dokkan mode pour Gobro. Il me reste un item. En gros, faut que je tue en 3 tours, 4 tours quoi. Et mon Gobro n'a pas de doublon. Merci beaucoup, Mr. Pouik Pouik. Merci beaucoup pour le soutien. Ça joue à rien. Il peut faire très très mal.
Ouais, deux cas de mode. On a deux tours. Ah putain, j'ai pu rater. Comment j'ai pu rater ça, merde. Oh merci beaucoup, Floel. Floel Cuisto. J'avoue que c'est pas facile, mine de rien, quand même. Hein. Oh là 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 là, il a claqué le crit. Mais je suis un peu déçu du dégât, quand même. Je suis un peu déçu. Bon, ça va, on a quand même arraché 3 barres. 3 bonnes barres. Donc faut vraiment sur ces deux rotations, faut qu'on donne tout les gars. Faut qu'on mette tout. Mettez des grosses patates là. Ah oui, alors ce Gogeta il a un code particulier, il peut esquiver les attaques. Ah non, attends, non. Il désactive l'esquive. Et il peut esquiver. Ah ouais. Merde. Oh le casse-couille quoi. Oh oui Gogeta. Double SP. Pas de doublon. Ah mine de rien, midlife. On l'avait midlife sur une seule rotation. Midlife sur une seule rotation. J'avoue que c'est nice. C'est nice, nice, nice loup. Allez, Végéto, tu lui mets bien. Tu nous mets bien, frérot. S'il te plaît, mets-nous bien. S'il te plaît. Allez, allez, il y a moyen. Il est midlife, hein. Un tour, l'ami midlife. Allez, les contres. Ok, d'accord. Ça manque un peu de pep, ça. Non, j'aurais peut-être dû le mettre en seconde position. Parce qu'en fait, quand il part en SP, il gagne de l'attaque. Les contres auraient pu être un peu plus intéressants. Tu vois, c'est pas pareil. Ouais, c'est mauvais calcul. Hein, mauvais calcul. Hein. Le Gohan se transforme pas? Non, parce qu'il y a, ça manque de cyborg. Oh là là, le même Gohan s'y met. Double SP. Allez, encore 3 barres, les gars. J'ai plus d'items. Je suis à poil. Gogeta, faut qu'il cale la critique. Oh non, il a esquivé l'enculé. Oh non, 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 non. Oh non, non. Oh. Oh la fourberie. Ah il nous a cacaroté là. Ah la fourberie. Ah la fourberie les amis, j'y crois pas. Ah punaise, j'ai plus rien. Ah là 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 là, j'ai plus rien. Faut qu'il tape sur Gobro. 40 000. Aïe 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 aïe. Faut plus qu'elle esquive là. Faut pas qu'on se mange une SP. Oh putain, on prend tellement cher. Allez GoBro, allez GoBro, double SP, c'est GG. Allez double SP. Encore une. Ah non. Bon, il a mis un coup critique. Ok, il tape sur GoBro. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Faut serrer les fesses, oui. Contre free to play, les gars. Ouf, ça me gagne. Free to play. On commence à atteindre ses limites. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré, l'enflure. Et végétaux. Végétaux. Du clan des végétaux. Ah, ça, c'est pour toi. Il peut pas esquiver tous les contres. On est d'accord, hein, on est d'accord. Il peut pas esquiver tous les contres. C'est improbable. Putain. Bon, allez, mon petit bébé. Oui, encore un. Deux, allez. Ah, vivement que j'ai un doublon. Hein. Oui, il esquive pas. Oui. Oui. Allez, ça sent bon là. Et voilà les amis, premier essai, compte free to play. On est là les amis, on lâche pas l'affaire.
On plie le game dans la sueur. Dans la sueur de la nuit, mais ça passe. Pas facile, mais ça passe. J'avoue que j'ai un peu chaud. Non, ça passe, les amis. Voilà, il faut croire en ses rêves. Le run est un peu long. Mais voilà. Bon, après, c'est une team pas très accessible. On est d'accord. Hein, y a beaucoup de LR, il y a beaucoup de. Voilà. Mais voilà, encore une fois, je dis, c'est ma box free to play. On l'a réussi. Alors, j'avoue qu'en boss de film, ça va être un peu plus chaud. En fait, j'avais quasiment utilisé la même team sur la version japonaise, sauf que, contrairement à ma box globale, j'ai quasiment tous les LR à 100%. Enfin, les deux fusions, je suis à 100%. Guan LR, j'ai plusieurs doublons. Gogeta bleu, il est à 100%. Tu vois, ça joue sur les dégâts. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube, et n'hésitez pas à me follow sur Twitch, les amis, le lien se trouve dans la description. Passez une très bonne journée. Moi, je continue à récolter mes DS, les amis. Road to 400 DS. Eh oui, les amis. Eh oui, regardez-moi ça. On était à Walp. Mais là, c'était avant. On est revenu dans le game, les amis. 396, attention. Les 400 DS, on les aura. Après, peut-être les 500 DS s'il y a un top 1 rapide. Donc voilà, passez une bonne journée et à très très bientôt.